Bienvenue sur Ceinturio TT TV, donc c'est la nouveauté du site. Donc j'espère que ça va vous plaire, que tout le monde participera, donnez vos idées, vos impressions, vos commentaires, tout. Et donc pour inaugurer donc, la chaîne YouTube, un petit reportage sur la salle, notre salle Omnisport, qui n'est pas si facile que ça à trouver, puisque quand vous regardez sur internet, l'adresse de la salle, c'est soit le bourg, soit place de l'église. Et vous allez voir qu'à Ceinturio, place de l'église, ça veut tout dire et rien dire. Sur ce, jingle. Alors, on se retrouve donc place de l'église à Ceinturio. Et donc, point vu. Rien, pas de salle de sport à l'horizon, donc place de l'église, on a un peu de tout, on a une mairie, on a une cantine derrière, et on a même une église, ils sont fous à Ceinturio. Donc on va aller, on va faire au mieux en conduisant, parce qu'il pleut beaucoup, on va aller chercher notre salle de sport, c'est parti, avec un peu de musique, allez go. Première pause, place de l'église, nous avons aussi la salle polyvalente. Donc pour la petite histoire, le club de Ceinturio, quand il a été créé, a joué pendant 5 ans à peu près dans cette salle polyvalente, avec du parquet très très glissant. Donc voilà, donc ça, il y a eu la salle de sport de construite à peu près en 2002-2003 et ils ont été inclus dans la salle de sport. Donc c'est parti, on continue. Et on commence à apercevoir une salle de sport. Allez, go. On est arrivé donc à la salle de sport. On est à l'entrée de la salle, donc on continue, on va entrer, c'est déjà ouvert. C'est parti. C'est pour le site. J'ai jamais été sur le site. Donc le hall de la salle. Je fais un reportage pour le. Enfin, un reportage. Ah, t'es pas mieux dans le jeu ? C'est mieux quand même. Allez. Donc par ici, nous avons des vestiaires. Donc, c'est des vestiaires, rien de spécial. La grande salle. Bon. On continue. Ici, une bibliothèque. Oui, une bibliothèque dans une salle de sport. Ils sont fous à Ceinturio. Et nous approchons de notre salle à nous. Et voici notre salle, donc avec notre tableau qui sert à tout et rien. Différentes photos, les fanions, nos sponsors, les trophées que Michel met pour faire croire qu'il a gagné beaucoup de choses, tableau d'affichage, les trophées, les calendriers. Et notre local. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de faire au mieux. Et donc on se retrouve, je pense, pour un reportage au tournoi de Plémet, puisque Ceinturio TT TV est déjà en vacances. Et à bientôt, ciao.